Bonjour à tous, Dujamonde avec vous. Aujourd'hui, notre recette est un pain au chocolat sans pétrissage avec une mie comme du coton, très facile à réaliser, un pain qui fait plaisir aux enfants et comme il a dit mon fils, ce pain est archi bon maman. Donc mesdames, faites plaisir à vos enfants sans vous fatiguer. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une recette pour les wlidat, khbizat kif lqtn, blad lik ou bla taab, sahlin ou dghia kiwjdou. On commence tout de suite la recette. Je vais avoir besoin de 600 g de farine, 200 ml d'eau tiède, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère de levure boulangère sèche remplie, 2 œufs, 3 grandes cuillères de sucre et un yaourt nature. Dans un grand saladier, je commence par mettre l'eau tiède. عندي هنايا 200 ml نتاع الماء دافي. Je mets également la levure boulangère sèche. وهنا عندي معلقة كبيرة نتاع الخميرة نتاع الخبز حبيبات. J'ajoute également le sucre. وهنا عندي 3 نتاع المعالق كبار نتاع السكر. وهنا عندي زوج نتاع الأكياس نتاع الفانيلا. Je vais mettre également les 2 sachets de sucre vanillé. Je vais mettre un peu moins que la moitié de la farine. هنايا في الجامع عندي 600 غرام تاع فرينه تقريبا النص ديالها غادي نديرها مع هذا الخليط اللي درت في الزلافه. Là, je vais mélanger. Ensuite, je couvre le mélange et je laisse reposer entre 5 à 10 minutes. On va le mettre d'abord et on va le mettre entre 5 à 10 minutes. Au bout de 5 minutes, 5-10 minutes à peu près, après 10 minutes, on va ajouter un yaourt naturel. Maintenant, je vais ajouter le yaourt nature. Il fait 150 grammes celui-ci. C'est un yaourt grec. Le yaourt naturel fait 150 grammes. Maintenant, je vais ajouter un œuf entier. غادي نزيد واحد البيضة كاملة. Et ici, je vais récupérer le jaune. Là, le blanc, je vais le mettre là-dedans. والبيضة الأخرى غادي البيض غادي نستعملو والصفر غادي نخليه باش ندهن به من بعد. J'ai oublié de le mentionner. Là, j'ai un petit peu de sel, le quart d'une petite cuillère. Je l'ajoute. هنا عندي شويه ديال الملح كيما شفتوا زدتو حتى هو. هاد الصفار البيض غادي نحطو جانبا. غادي نخلط هاد الشيء. Donc je mélange bien le tout. Et je commence par ajouter le reste de la farine. Ou d'abord, on va ajouter la farine qui est là. On va ajouter un peu. Et on va mélanger. La pâte, elle commence à durcir un peu. Donc si vous voulez mettre la main à la pâte, vous pouvez. Mais moi, je vais me contenter juste de ça parce que c'est sans pétrissage. Donc je la ramasse bien. Elle est collante, mais tant mieux. Je vous ai toujours dit, pour réussir du pain ou de la brioche ou ce que vous voulez, il faut que la pâte soit toujours collante. Comme je vous l'ai dit, كتلصق ومزيان هكا تكون كتلصق لحقاش باش تصدق لكم. خصها هكا تكون كتلصق. انا ديما كنقولها لكم في الفيديوهات خص العجينه سواء تاع الخبز ولا البريوش ولا اللي كان خصها ديما تكون طريه تكون هكا بهذا الشكل هكا باش كلشي يصدق لكم يجي زوين. Je couvre et je vais laisser reposer une heure de temps.
غادي نغطيهم في الياتر تاع واحد الساعه نتاع المكانه. Au bout de 3 quarts d'heure seulement, ma pâte elle a plus que triplé de volume, comme il fait très chaud en ce moment. Donc regardez comment elle a bien levé. La gina dialé qui m'a kachoufou, khmerat bzef, ma khlitaj sa'a, khlitaj gher sa'a illa rub'a. Ou khmerat bzef, lhaqqaj daba bdat dnia katsoun, yani fi sa'a ma khmerat li la gina. Je farine mon plan de travail parce que je sais à l'avance que ma pâte est très collante. Voilà, donc je la sors du saladier et je commence à la ramasser un petit peu pour faire un boudin pour que je puisse le couper en petits morceaux. Ça fait un moment que je vais ramener avec le saladier. كن غبر مزيان سطح العمل بالفرينه باش ما تلصقش لحقاش انا عارفه من قبل بانها غادي تلصق بزاف. كنجمعها هكا شي شويه صافي باش نقدر نقسمها طريفات صغيورين تاع العجينه. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec la pâte collante comme ça, et ça je le comprends parfaitement, n'hésitez pas à mettre un peu plus de farine ou bien tout simplement mettre un petit bol avec de l'huile. Et là, vous pouvez vraiment éviter que la pâte ne vous colle aux doigts. وبالنسبة للناس اللي يعني ما عندهمش بزاف مع العجينة اللي كتكون هكا كتلصق يا إما ديروا فارينة أكثر من هذا الشيء اللي درت أنا ولا شدوا شي زليفة وديروا فيها شوية نتاع الزيت وتبقاو تدهنوا بيديكم دهنوا يديكم وبقاو تشدوها هكا باش تقدوها باش تقدروا تقطعوها النتيجة غادي تكون تقريبا بحال بحال. Comme vous avez vu, je l'ai coupé en deux et puis chaque partie, je la coupe aussi en deux pour pouvoir en sortir des petites boules. ومن بعد كنبدا كنقسم فيها هكا بهذا الشكل هذا كنقسمها على جوج ومن بعد كل جهه كنبدا نقسمها على جوج حتى هي وكنبدا كنحيد منها طريفات صغيورين باش نديرهم من بعد كويورات. Je les farine un peu puis je commence à former des petites boules. À ce stade, si vous voulez enlever tout simplement toute la farine et mettre un petit bol avec de l'huile, ça serait très bien, mais pas les deux, pas la farine et l'huile, soit l'un soit l'autre. ودابا غادي نبدا نكورهم هكا كندير لهم شويه الفرينه ولكن الا بغيتو تستعملوا الزيت راه ممكن بطبيعه الحال ولكن ماشي بجوج يا الزيت يا فرينه ولكن انا كنفضل فرينه يعني احسن ليا. Une fois que toutes les petites boules sont formées, je coupe du chocolat grossièrement, puis je prends les boules et je les aplatis dans le sens de la longueur. Je termine avec un rouleau, c'est beaucoup plus pratique et ça va plus vite. Je mets quelques morceaux de chocolat tout au bout de ma pâte, je ferme et puis j'enroule. Et quand j'arrive un peu plus que le milieu, je prends un couteau comme celui pour couper la pizza par exemple et je fais des entailles dans la pâte sans aller jusqu'au bout. Regardez, je les écarte un peu et puis je continue à enrouler les petits pains de cette manière et je pince un petit peu les côtés. Voilà, et je dépose dans un plat qui va aller au four. كما شفتوا كنشد العجينه ديالي من بعد ما كورتهم كلهم ما كنخليهمش يرتاحوا كنبدا بهذيك الاولى اللي كورت وكنشدها من بعد كندير شويه ديال الفرينه وكنبدا كنسرحها على شكل طولي كنساعد شويه بهذاك المدلك عندي الشكلاط قطعته طريفات كنشدو وكنديرو في الاول ديال العجينه كما شفتو ومن بعد كنشد هذيك القطعه نتاع البيتزا كنقطع بها بلا ما نوصل حتى للاخر صافي وكنلوي العجينه ومن الجنيبات كنقرصها شي شويه هكا من الجناب صافي وكنحطها في البلاطو اللي غادي يمشي للفران باش نطيبهم. Voilà, c'est très facile mais c'est juste quand vous coupez, vous allez pas jusqu'au bout, juste pour avoir des ouvertures. Voilà, comme ici. Vous pouvez les espacer un petit peu si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand ça colle pendant la cuisson, quand ils sont collés entre eux. من بعد كي كنحطهم في هذاك البلا اللي غادي يمشي للفران الا بغيتو يعني تبعدوهم على بعضياتهم شي شويه باش ما يتلاصقوش ممكن. Je couvre et je laisse reposer une vingtaine de minutes. من بعد كنغطيهم وكنخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقه. Après ce temps, regardez les petits pains, ils ont bien levé. من بعد كيما كتشوفوا كيكونوا خمروا مزيان. دابا غادي نبدا ندهنهم بصفار البيض اللي حطيتو جانبا. Maintenant, je récupère le jaune d'œuf que j'avais mis de côté. Je mets dedans deux gouttes de vinaigre. Ce n'est pas pour donner de la brillance ou quoi que ce soit. Le vinaigre, c'est uniquement pour enlever
l'odeur forte du jaune d'œuf. À chaque fois, vous me posez la question, donc je profite pour répondre. Je mets toujours une petite goutte. Sinon, vous pouvez mettre un peu de lait ou bien les badigeonner seulement avec du lait. C'est à vous de voir. Mais moi, je ne rajoute pas du café ou quoi que ce soit pour donner plus de dorure. C'est inutile parce que après, les petits pains, ils dorent trop vite au four. Ils n'ont pas le temps de cuire de l'intérieur. Moi, je préfère cette manière-là. Ensuite, je les décore avec quelques graines de nigel et ça reste facultatif. On peut ne pas en mettre ou bien mettre autre chose. من بعد ما كنديرهم بداك الصفار البيض اللي زدت فيه واحد جوج نقيطات نتاع الخل غير باش تحيد لي الزفوريه نتاع البيض، كندير فوق منهم شويه نتاع الحبه السوداء. ولا بغيتو ما ديروش ما ديروش، ولا بغيتو ديروا شي حاجه اخرى ممكن بطبيعه الحال، يعني ماشي ضروري. Ensuite, je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés entre 30 à 35 minutes. من بعد كنديرهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 لمدة 30 حتى 35 دقيقة. Au début, j'allume le four uniquement le bas et les 15 dernières minutes, je mets le haut et le bas pour obtenir une jolie dorure. النوبة الأولى كندير الفرن كنسخنو كنشعلو غير من التحت وال15 دقيقه الاخرى كنشعلو من الفوق ومن التحت باش يتحمروا مزيان من الفوق ويكونوا ديجا طابو من الداخل ومن التحت. Regardez comment ils sont vraiment très très moelleux et super bons comme pain. Je vais vous ouvrir un pain pour vous montrer comment c'est de l'intérieur. خبيزات فعلا غزالين ودايرين كي بحال القطن. نحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش دايره من الداخل. فعلا خفيفين خفيفين. Vraiment, c'est des petits pains qui vont faire plaisir à vos enfants, que ce soit pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter, même pour nous les grands, avec un bon café, c'est vraiment super. Voilà, j'espère que vous allez les essayer, ces petits pains. Il faut penser à les retirer du plateau et les laisser refroidir pour éviter qu'ils soient très humides après. من بعد خصكم تحيدوهم من داك البلاطو وتخليهم يبردوا فوق شي شبيكه ولا شي حاجه باش ما يفزقوش من التحت. Et avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite recette sans fatigue, sans pétrissage vous fera plaisir et fera plaisir à vos enfants. Et on se retrouve pour d'autres recettes à très bientôt. نتمنى هاد الوصفة اللي هي ساهلة مهلة وما فيها لا تعب ولا حتى شي حاجة تكون عجبتكم وديروها لوليداتكم وبالصحة ولهنا إن شاء الله ونتلاقاو في وصفة مقبلة. مع السلامة.